nom est Eric Lénini, on vient de terminer un nouvel album qui s'appelle Think Twice, qui est une suite au projet qu'on a eu il y a 2 ans, à l'album qui est sorti qui s'intitule The Vox, un album autour de la voix. J'ai eu énormément de plaisir à faire cet album, ensuite à tourner, on a eu la chance de faire énormément de concerts. Dans un premier temps avec le trio. Le trio se compose de Franck Agulon à la batterie, de Thomas Mamry à la contrebasse. On a tourné, je pense, genre pendant 10 mois, un an avec Christelle Warren. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir Hugues Coltmann qui a pris sa succession. J'ai connu Eric, on était sur la même émission avec Manu Katché, One Shot Notes, et je trouvais son jeu incroyable. Il m'avait demandé de venir faire un essai avec lui, et en fait ça s'est super bien passé. Et donc la rencontre s'était faite assez naturellement, et du coup on a tourné pendant quasiment un an ensemble. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que j'ai l'impression que au fur et à mesure, pendant ce temps-là, avec tout le groupe, on a construit une espèce de groupe ensemble, quoi. Et finalement, quand il m'a dit « Écoute, je vais enregistrer un nouveau disque, est-ce que ça te dit de venir chanter sur le disque ?» Évidemment, j'étais ébloui, quoi. J'étais hyper content. Voilà, pour moi, je suis très fier de faire partie de ce projet, quoi. Je suis passé un super moment de jouer avec eux en live, et donc et les morceaux, je suis très très fier de les chanter, quoi. Il y a un truc que j'aime bien aussi chez Eric, c'est la liberté qu'il donne au chant, quoi. Je crois que dans la base, c'est vraiment la mélodie qui me rapproche avec Eric, quoi. Ouais, j'aime bien, en fait, avec Eric, j'aime bien cette manière avec laquelle le deux mondes peut s'entrevivre ensemble. Et il y a peu de ça dans le jazz, en fait. Je crois que je suis assez influencé par le jazz en général, mais j'espère que ce que j'ai fait avec Eric va me colorer ce que je fais. Je crois que c'est ce qui se passe quand on bosse avec quelqu'un. Je crois qu'Eric, maintenant, le disque qu'il fait, c'est peut-être coloré par un an de tournée qu'on a fait ensemble, donc je crois que chacun s'enrichit de l'histoire, quoi. Suite à ses concerts avec Hugues, je pense qu'il a vraiment contribué à changer le son du groupe. Je pense qu'il a une personnalité telle qu'il a une grande écoute et aussi la couleur de sa voix a pas mal influé sur la couleur, en tout cas sur l'écriture de l'album de Think Twice. Voilà, l'idée c'était d'écrire en tout cas pour le groupe. J'ai vraiment une conception, je pense, de la musique en forme collective, forme de groupe, plutôt qu'individuelle. Et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que tout le groupe m'a toujours suivi dans mes délires et en tout cas dans la continuité des projets. Donc grâce à Hugues, on a pu expérimenter, jouer pas mal de musique en tournée qui donne les morceaux, les compositions sur Think Twice. Mama Nikita, je l'ai découverte avec l'album Electro Bamako. C'est vrai que bon, elle a une voix incroyable, beaucoup de personnalité. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de l'avoir sur un concert, un festival des libertés, un gros festival en Belgique.
qui a été un peu l'antichambre, je dirais, du nouveau projet de Think Twice. Et c'est vrai que son côté, elle a une manière très instinctive de chanter. Et elle, pour moi, elle représente tout ce que j'aime dans la musique africaine, toute la trance, la sensibilité, la couleur, le son de sa voix. Et donc, j'ai tout de suite trouvé extrêmement inspirant de l'avoir parmi nous et donc d'écrire de nouveau la musique pour le groupe et pour elle. Je m'appelle tout simplement Mamani Keïta, chanteuse africaine. Et j'ai commencé la musique depuis un bas âge avec ma grand-mère maternelle. Et après, j'ai participé dans le biennale artistique en tant que soliste du district de Bamako en 1980. Et en ce moment-là, j'étais avec une autre troupe qui était le troupe Cheminifère. Oui, en dehors du district de Bamako et Badema National, j'ai travaillé avec Salif Boukou et avec Cheikh Diagne Seck aussi. Et c'est en ce moment-là que j'ai connu vraiment pas mal de gens. Moi, j'ai rencontré Eric en faisant mon album et Gagner l'argent français, le dernier album que j'ai fait. Et j'ai eu la demande d'Eric par rapport à mon producteur, Laurent Bizot, qui a produit mon dernier album, en disant qu'il y a un pianiste qui veut me rencontrer. Il voulait faire un projet avec moi-même. Bon, c'était pas un projet de disque. À ce moment-là, c'était juste pour la scène. Et on s'est donné rendez-vous chez Laurent Bizot. Écoute, parce que quand j'ai travaillé la première fois, quand je l'ai rencontré la première fois, on a voyagé et j'ai vu vraiment qu'il est humain. Humainement, c'est quelqu'un de bien qu'il faut travailler avec ce monsieur. Et donc, du coup, moi, j'ai fait le concert avec lui en Belgique. Bon, à mon avis, ça s'est bien passé. Et là, du coup, il n'a pas hésité de m'inviter pour faire... participer dans son album. Moi, ce qui m'a poussé vraiment, c'est sa gentillesse. C'est ça qui m'a vraiment poussé de venir avec lui sur ce projet-là. Et si j'ai un deuxième projet à faire avec Eric, je ne résisterai pas. L'album Think Twice sort le 29 janvier, donc on sera en tournée à partir de début février. On aura en février donc Hugh Holtmann, Mamani Keïta et probablement Amy Mayer aussi. Amy Mayer, c'est vrai que c'est la troisième chanteuse qui se trouve sur l'album, sur Think Twice. Et la première fois, c'est David Donatien et Yael Naïm qui m'ont parlé de cette chanteuse. Ils m'ont fait écouter. C'est vrai qu'il y avait une fraîcheur dans sa voix et un côté folk que j'aimais beaucoup. Mais c'est de nouveau Renaud Di Matteo, du chanteur Prima, qui m'a poussé à écrire une chanson, à lui envoyer et qu'il y ait un rapprochement musical avec elle. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être avant tout une aventure humaine incroyable. Ils sont tous aussi adorables les uns que les autres et ça compte énormément. S'il n'y a pas ce rapprochement humain et d'une entente, j'ai l'impression que la musique déjà est plus difficile et que ça passe déjà beaucoup moins.